Yo tout le monde, c'est Mus138, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous cacher que ça va à moitié. Comme j'ai dit dans la vidéo sur la DNA que j'ai réalisée sur Advanced Warfare. Donc j'ai eu un peu de mal à faire ces enregistrements de vidéos pour la semaine spéciale, enfin pour une semaine en tout cas, où il y aura beaucoup de gameplay que sur des anciens Call of. Et du coup, donc là, voilà, je dois vous avouer que du coup, je suis un peu malade. Donc si je renifle... Je renifle. Si je renifle un peu fort, bah je m'en excuse avant tout. Mais voilà, je tenais vraiment à faire cette série, histoire d'essayer de vous la faire et en sorte qu'elle sorte avant la bêta de Black Ops 3. Même si je pense que je pourrais jouer qu'à partir du 20 août ou un truc dans le genre. Donc voilà, au moins d'ici le 20 août, histoire de vous proposer vraiment beaucoup de. Bah vraiment proposer du contenu des anciens Call of, de ce qu'on aime vraiment, enfin de ce qui nous fait plaisir à regarder. Donc hier, vous aurez eu du coup la vidéo d'MW2 qui est sortie, même si elle a été enregistrée largement en avance. Et malheureusement, bah, j'ai pas pu faire en sorte que les autres suivent. J'ai essayé d'enregistrer du zombie avec les potes, mais du coup, j'avais pas de connexion parce que je suis chez mes parents, du coup, c'est un peu compliqué. Quand tous les quatre on est là, ça devient compliqué pour enregistrer du gameplay. Donc, je vais essayer de voir la semaine où la bêta de Black Ops 3 va sortir. Je vais essayer de vous proposer pendant ces moments-là, avant que la bêta sorte, il y a peut-être moyen que j'aurais réussi à enregistrer un peu de gameplay avec des potes. Je suis pas forcément sûr à 100% de ce que je dis. Mais si c'est possible, en tout cas au niveau du zombie, parce que le zombie j'ai pas vraiment pardon, j'ai pas envie d'en faire seul, donc c'est bien un peu ça le problème, et donc du coup je vais pas vous cacher que j'ai enfin j'aimerais bien que ça marche en tout cas, donc je vais essayer de voir avec G38 pour le zombie, parce que je sais que Wattiblin 38 sera en vacances. Donc je vais voir avec Jay si je peux enregistrer un peu de. S'il serait chaud pour proposer un peu de Black Ops. Enfin en tout cas au niveau du zombie déjà. Et après tout simplement proposer donc le zombie Black Ops et Black Ops 2 avec Jay. Et Ghost avec Mr. D38, parce que Jay n'a pas Ghost et Mr. D38 n'a pas la PS3, donc c'est encore plus compliqué pour lui d'enregistrer des gameplays. Donc voilà, je regardais juste vite fait mes classes qui sont faites depuis 20 ans, mais que je ne regarde jamais vraiment attentivement. Le Galil, c'est pour empêcher les trucs, ouais. Ok, bon. La cage, j'en mettais chantant. Ok, bon, on va essayer de trouver rapidement des parties, ça serait cool. Voilà, le malaise, tout à l'heure j'ai trouvé des parties, je suis un peu déçu. On va voir si ça change un peu, mais du coup, j'espère tomber, parce que ouais, j'étais en partie juste avant. Je sais pas, tuer 12 ennemis sans mourir. 4 headshots avec le Galil. Pourquoi j'ai pris ça? Alors, qu'est-ce que j'ai comme atout? Avec l'arme équipée de deux accessoires et tout seigneur de guerre. Bon, je pourrais prendre ça. En plus, ils sont couchés avec fantôme. Ouais, ça va, j'ai pas envie de camper non plus. Pour faire les défis. On va faire ça. Est-ce qu'il y a de la domi? Remporter deux parties. Bon, on va prendre ça. 12 ennemis sans mourir, on va essayer de le faire. On a Lunch, Kulun. Lunch Jungle, pardon. Ou aléatoire. Moi, je vais voter Lunch parce que je kiffais vraiment cette map. Mais bon. Donc voilà, donc je m'excuse déjà à l'avance si franchement vous allez peut-être entendre beaucoup de raclage de gorge, on va dire, et de bruit un peu dégueulasse. Je m'en excuse avant, c'est vraiment. Je sais que c'est vraiment pas top, mais là j'en profite du fait que personne soit à la maison, donc pour essayer vraiment de vous proposer du bon gameplay, d'avoir la connexion, et c'est pas souvent que j'en ai. Donc j'essaie d'en profiter au max, et là. Malheureusement, ça tombe pendant une période où je suis malade, donc c'est pas forcément le mieux. Mais bon, on fait avec. Alors, les séries, je sais pas ce que j'ai pris. Avion, Expion, Blackbird, Chien. Ouais, donc c'était ça que j'avais juste avant. J'ai fait juste une partie pour me chauffer un peu, voir un peu comment ça allait. Avec le retard en plus du game capture qui est fait, j'avais fait quand même plutôt une bonne partie. Donc c'était pas dégueu, donc on va voir par la suite. Faut savoir que j'ai en gros les 6 classes. Hein. La 7ème classe, c'est juste pour débloquer les accessoires en fait. Parce qu'il me reste quelques armes avec des accessoires à débloquer. Et je regardais justement lesquels me manquaient. Je crois que j'ai plus rien. Les pistolets, je crois que je les ai finis. Ouais. Il m'a juste le commando et je crois qu'après, du coup, j'ai tous les accessoires débloqués sur toutes les armes du jeu. Donc ça, c'est vraiment cool. On va pas se le cacher. Et du coup, parce que de toute façon, là, je crois que j'ai prestige 4 ou 5. Je sais pas où est-ce qu'on voit le prestige. Merde. Non. Rapport de combat, on le voit pas, non? Ils mettent pas le prestige, ça qui est con. Ou alors, si, il y a un truc tout con. On va éviter de changer. Le carré noir, au pire, je peux le remettre. Alors. Normalement, ils mettent en fait les emblèmes de prestige à la fin, je crois. Je crois que c'est le prestige 4 que j'ai.
Prestige 4, c'est ça. Donc, je vais remettre le carré noir là que j'avais fait. C'est pas un carré arrondi. Oh putain. C'était bien quand même, il y avait beaucoup de trucs de personnalisation, mais par contre pour s'y retrouver c'était un peu le bordel hein, sur Black Ops, on va pas se le cacher. Tac tac tac, le cœur. Carré. Hop, et je le mettais en noir pour bien faire tout ressortir. Voilà. Sauvegarde et quitter. Ok, d'accord, bah c'est bien, bon pour le moment on trouve pas de partie. On va pas se cacher que c'est un peu le malaise. Juste avant, j'avais trouvé une partie, on était une dizaine et j'ai quitté pour commencer le live. Parce que tout est enregistré en live, hein, bien sûr. Tentative de connexion à deux matchs. Allez, putain. Allez. Putain, mais non, je peux pas me connecter dessus. Ah, nickel. Bon, pas sur les bonnes maps, par contre. Je vais vite muter l'autre parce que ça va me saouler d'entendre la voix d'un gonze juste derrière. Mais bon. Ah, en plus il parle espagnol, je crois. Ou portugais, je sais pas. Les voix, elles sont insupportables. Quand tu joues à un jeu, elles sont insupportables, les voix. Ah, c'est espagnol, voilà. Oh, il parle, voilà, vite. Oh. J'ai fait une espagnol, je peux vous dire que j'ai rien compris. Je crois que j'ai entendu qu'un ça, après. Je suis même pas sûr. Allez, vite, on va vite te muter. Avant même de rentrer dans la partie. Ah non, on peut pas. Ok. Ah, ta gueule. Non, voilà, merci. Tu fermes ta gueule. T'es gentil. Ok, let's go. Donc sur Havana, une map très très géniale. Oh putain. Ok, donc déjà il y a un mec qui joue en barreau d'honneur. Oh non. Mais il y avait pas un... Ah, mais il a ramassé l'arme du coup, ce bâtard. Il y a pas un mec derrière. Ah non, mais il y a le mur là. Mais what? Comment c'est qu'ils ont rush autant? Y'a vraiment. Deux petits kills tranquillement. J'ai pas pris l'arme que je préfère le plus, hein, je vous préviens tout de suite. Enfin, j'ai pas pris la classe que je préfère le plus. Je l'aime bien parce que du coup j'ai plusieurs d'accessoires et tout. Enfin, j'ai plusieurs. Plus de munitions que d'habitude avec le double chargeur. On va mettre les insertions tactiques débiles. Voilà. C'est de jouer avec le casque aussi un peu. Oh putain. La petite double. Non, c'est l'avion espion. Oh, il y a un mec qui va arriver par là. Ah, pas du tout. Merde, c'est ennemi ou allié? J'ai peur de la frappe de la palme. Attendez, on va pas prendre trop de risques non plus. Il y a le mec qui dit qu'il va pas prendre trop de risques. Le truc qu'il fait, il prend du risque. Là, je suis au-dessus de B, je suis bien. Je suis à 1 ou 2 kills de mon. Bon, bah, du coup, je crois que je suis à juste 1 kill de l'avion espion. Du Blackbird. Ah, putain! Ah, il a bien visé. Moi, j'ai visé comme une merde. Oh putain, là, je m'attendais pas à ce qu'il s'arrête lui. Il m'a anticipé, mais violent. Alors, du coup, on va recommencer nos séries. Putain, m'a fait peur. Hein. Là, parfait. Bon, c'est pas une map que j'aime absolument. J'avoue. Y'a un mec que j'ai vu, je crois. Oui, je sais pas si ça me vise. T'es vite fait en haut. Ah, personne. Voilà, toi je t'avais vu. Toujours bien prendre le temps de contourner. Des fois un peu comme une pute. Mais pour avoir les séries dans le jeu, c'était ça qu'il fallait faire, c'était trop bien. Pas un autre là. Si, oh putain. Bon, ça va, je suis bien. On va essayer de faire la 12 kills sans mourir. Attendez, je fais ma pute ou pas? Oh non, il y a des chiens ennemis. Avion espion ennemi en approche.
Mais non. Putain, je suis tellement deg. J'ai niqué mes séries à cause des chiens, quoi. C'est pas ce que tu crois. Ah, je suis deg. Putain. Ça fout la mort parce que les chiens étaient. Était vraiment relou dans le jeu. Il y avait très très peu d'emplacements pour les éviter. Une insertion en haut, je crois. Ok, d'accord. Il y a un chien en haut surtout. Ouais. Il est déjà en haut. Parce que je crois qu'il est en haut encore, le mec. Hein. Récupérer des mines. Non, il est pas en haut. Je jurais qu'il était en haut pourtant. Bon, en tout cas, c'est une partie qui commence bien. Je suis quand même 17-4. Très très bien, très bon score. Apparemment, mon équipe spawn là, c'est qu'ils sont tous en face. Ils vont tous les ramener sur ma gueule, ça peut être ouf. L'autre était un peu con. Apparemment, ils viennent par là. Parfait. Hop, on va remettre un avion. Putain, ça c'était horrible. J'ai tellement pas le réflexe du cut dans le jeu. J'ai de la quoi, ouais, ça va. Bon, désolé, il y a des moments où je vais traîner, mais je veux vraiment. Je veux au moins réussir une partie en vous lâchant les chiens quand même. Sachant que le Ghani, c'est une des armes que je préférais le plus donc. Un bâtard Tomahawk. Je sais pas si ma key bug, mais parce que mec, reste tranquille hein, depuis tout à l'heure. J'ai gagné tous mes duels face à toi. C'est une texte par là. Ils sont les cons. Putain, encore les chiens. Je vais choper sa frappe de mortier quand même. Voilà. C'est vraiment aucun moyen de les éviter. Hein. Je vais essayer d'être relou, mais pas plus quoi. Je sais pas si là, genre, si je monte sur la voiture. Si là, je pense que je suis inciblable. Il a visé par là parce que je pense qu'ils sont là. Coordonnées pour mortier reçu, tire à volonté. Avion espion ennemi en vue. Ils sont en train de me faire opérer. On va perdre Alpha. J'ai pas tué personne avec la frappe de mortier. Sérieux? Bon. Je suis toujours pas fini mais bon. Regarde comme tu pues la merde depuis tout à l'heure, je gagne tous mes duels face à toi là. À deux T-Bugs, sérieux. Putain, je vais voir si elle est choque, mais pas du tout. C'est relou. Et les gonds, je joue pas l'objectif. Putain, ça. J'ai vraiment la totale, hein. Il a eu un Blackbird dans son colis. Hein. C'est dire à quel point le mec il a de la chatte. Ah non, peut-être pas en fait. Oh, il a tellement de la chatte. Putain, j'ai raté. Bon, puis j'avoue que je le feed bien en plus, hein. Je vais lui offrir 4 kills. Tu l'as eu? Yes, nickel. Bon, c'est dommage. Moi, j'ai pas aidé par l'autre là. Freedom Strike, puisque je dois faire pas mal de kills. C'est un peu relou. Un peu relou. Bon, après, bon, ça va, je suis arrivé en début de game, donc ça c'est plutôt cool. Et une partie où il y a 12 personnes, donc c'est déjà pas mal parce que depuis tout à l'heure j'étais en train de me douter, enfin j'étais en train de me demander justement si j'allais trouver du monde. Donc bon. Donc comme sur MW2 je vais changer vraiment, je joue avec mes classes là, à part la cape peut-être que je vais changer. Je suis pas sûr que je vais garder la même classe. Mais la classe au commando, la classe au hog. C'était les armes vraiment que je kiffais le plus dans le jeu. Ou alors attendez, je vais peut-être tenter un truc.
La G11, eh, faut savoir que la G11, il y a personne qui jouait. Parce que en plus, déjà, il y avait pas d'accessoire, hein, clairement, il y avait quoi? Je venais de faible puissance et zoom ajustable. Mais moi, je l'aimais bien. J'ai peut-être changé par contre le Hog. J'avais du mal à avoir une bonne précision avec. Attends, c'est la MK14 ou la FAL qui est mieux? On peut pas comparer les deux. Elle a tout. Ah ouais, d'accord. Je prends de la FAL. Je vais pas jouer tout de suite avec, mais tester un peu pour retester après. Je vais mettre un silencieux quand même, encore une fois, parce que j'aime bien. Oh putain, les maps du DLC, qu'est-ce que j'aimais pas. Il y avait deux que j'aimais bien. Il y avait Berlin Wall et. Pas Kowloon et pas dégueulasse, mais après en domination, je trouve pas. C'est pas ouf. Là, on se retrouve dans limite dans du Advance Warfare où les déplacements, mais tu te demandes comment les gens, des fois, ils passent par là, ils passent par ici. Enfin, en démolition, c'était parfait parce que les spawns bougeaient pas, du coup, c'était tranquille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on jouait vraiment énormément en démolition sur Black Ops. On faisait des carnages avec les potes à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent pas, on a fait quelques gameplays avant avec la CSB Online. Je vous invite à voir dans mes chaînes, je sais pas comment on appelle ça, les chaînes sponsorisées, on va dire. Dedans, j'ai mis la CSB Online qui était une chaîne qu'on avait avec les potes. Ah, connexion interrompue. Ah, d'accord. Bon. Ça vient pas de moi donc. Ah non, ça revient. C'est qui a quitté? Ah non, mais ça bug bien. Non, c'est bon, c'est revenu. Ok. Bon. Merde, c'est pas un coin pour camper, mais pas passer de l'autre côté, ça, je crois. Ah merde. C'est du coup pas une bonne idée. Hop. Ah non, mais là, il y a une fenêtre. Putain. Ah, quand je vous dis que cette map, mais je la redécouvre en fait. Voilà, donc la triplette pour commencer, au plus grand des calmes. On va pas se cacher par la grenade, j'avais vu. Je visais vraiment le mec là-bas. Par contre, je savais pas que le point B était là. On va jouer doucement parce que là. J'ai entendu que je tire dessus. Non. Putain, j'ai pas de bol. C'est quoi, hein, démolition? Les déplacements étaient pas du tout pareils en fait. Ok. Par contre, je suis toujours avec l'autre mec qui est en baron d'honneur, ça va être chiant. J'ai pas trop où il spawn, mais j'ai l'impression qu'il spawn bien par là-bas. Hein. Un peu. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Je me rappelais pas qu'elle était en fait pas si courte. Pas aussi grande que je pensais en fait. Je pensais qu'elle était beaucoup plus grande que ça la map. Oh putain, s'il est mort. Par là. Oui. Coordonnées pour mortier reçu, tir à volonté. Ils sont où? Depuis tout à l'heure, ils passent par là-bas. Colis stratégique allié en route. Je sais pas si... On sécurise, bravo. SR-71 prêt à se déployer. SR-71 en activité. Parce que je sais qu'avec 23 balles, ça va quand même être compliqué. Sécurisé. Je sais pas où est-ce qu'ils allaient être. Par contre, j'ai pas compris comment est-ce qu'il a fait pour venir là. Très sincèrement. Merci. Hop. Une M16 en plus. Pas dégueu sur cette map. On contournait comme lui faisait. Personne par là. Je n'ai vu un qui était monté. Quand même mettre sur C. Par contre, alors, comparé à BO2. Faut savoir que moi, en fait, j'ai vraiment. Il y avait un truc qu'ils avaient mis sur BO2. Je crois que c'était instauré depuis BO2, hein, il me semble, si j'ai pas de conneries. Ah putain, il était où? Il a raté son cut, lui.
Putain, c'était chaud en fait là où je l'ai posé. Personne par là. Ok. Ok, bon. C'était le changement de manche. Sauf que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette innovation. Parce que du coup, là, faut savoir que du coup, bah là, vous n'avez pas le point C, vous n'avez pas le point B. Enfin, vous n'avez pas deux points. Ça devient extrêmement compliqué pour vous. Et le... Oh putain. Je vais aller en dessous. Ok, ah merde. Je croyais que je pouvais ressortir. Mais pas du tout. Ok. Donc on va les rebouger. Ok. On va faire un tour. C'est pas une bonne idée. Ah merde, mais non, je peux pas faire de tour en fait. Deux. Oh, nice. Parfait ça. Attendez, on va passer par là. On est intelligent. Hop là, nickel. Hop, on envoie les chiens. Voilà, par exemple, là, vous voyez le spawn comme il était bloqué. C'était parfait pour moi en fait. Bon, là, par contre, j'ai fait le con, mais. Ah putain! Oh, il m'a mis limite un commando! Ouais, il est mort par contre. Tant mieux. Mais voilà, du coup, vous avez vu que. Là, le spawn était quand même pas ouf pour. Ok, d'accord. Chouchouk. Mais le spawn était quand même pas. Pas ouf, en fait. Là, vraiment. Mais ça qui était bien, par contre, aussi à l'époque, c'est que moi, les spawns étaient vraiment bien régulés. Par exemple, là, moi, je peux être tout seul sur C. Là, ça empêchera pas les gens de. De spawn, on va dire, à proximité de C. Pas forcément à côté de pile. Attends, y'a un mec là. Merde. Oula. J'ai pris quoi? C'est lui qui a mis sa clé mort. Oula. Ah, par contre, du coup, mes chiens ont tué personne. Véritablement personne. Un drone, on va passer par là. Hop. Par contre, ouais, vraiment. Les contournements, c'était vraiment important dans le jeu. Et ça, c'est une chose que j'arrivais plutôt bien à maîtriser. Il y a vraiment des passages de partout dans cette map. Oh. En fait, non, au final, j'aime bien cette map. Tellement moyen de contourner et tout. Oh, le mec a mis son colis là-bas. J'ai un coup de ping, non? Non, non mais il a juste eu du bol, pas de soucis. Ah si, j'ai l'impression que ça bug un peu la partie. Oh merde. Tu m'as pas vu? Ah, oh, je suis tellement deg, j'ai chouk sa mère. Hein. Ça rend fou. Ok, alors attends. Tentez d'être intelligent. Vraiment le con ce que je fais. Oh putain, mais je peux être trop con, s'amuser. Oh putain, ça a coupé l'enregistrement. Je relance juste direct après, j'espère que ça va pas bugger. Oh merde. Faut l'écran noir à chaque fois, c'est un peu chiant. Ah là, t'as raté ton cut pour une fois. Pourquoi ils tentent des cuts? Pourquoi les gars, vous tentez des cuts? Bon, j'avoue que j'ai un peu de cul sur celui-là, mais. Ils vont passer par là, c'est sûr. Voilà. Ouais, vous êtes cons. Ensuite, ça va aller par là. Oh putain, je me prends une flash du turfu quoi. J'ai enlevé cette assertion là.
Oh mais eux ils doivent tellement rager depuis tout à l'heure. Ah merde. C'est bien mieux parce que là la clé mort là. Depuis tout à l'heure je fais trop de kills. Je suis à 41-13 hein. Ça rend trop simple cette map. Vraiment. Je vais poser un insertion là pour une fois, on va changer un peu. On va monter là, je vais voir 6 personnes, je vais faire. Ah. Ah non, même pas, juste un. Oh, c'est parce qu'ils arrivent par là-bas. Hop. Ça spawn à droite. Voilà. Ah merde! Pour une fois que tu gagnes un duel. Fallait que je sois retourné pour que tu gagnes un duel, putain. Y'a un mec là. Bon. Ouais, donc une bonne petite game, hein. C'était assez sympa. Avec le commando, bon, j'avoue que j'ai des moments où je parlais pas trop, mais vraiment, j'ai voulu lâcher les chiens. Malheureusement, ils ont fait qu'un kill, donc je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, j'avoue que sur cette map, il y a peut-être plus moyen de les esquiver. Ouais, il y a plus moyen de les esquiver sur cette map que sur Havana. Mais bon, pas vous cacher que ça me fait un peu chier. Bon, du coup, je vais changer un peu mes séries. Je vais garder le Blackbird des drones parce que ça c'est vraiment bien. Je vais passer au Hein parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué avec ça. Alors, du coup. Bien sûr, débloquer les chiens d'attaque, tuer 75 mecs le commando. C'est génial ça, j'ai tous les trucs qui arrivent, mais après quoi. Je vais mettre la K47 et je vais essayer de faire les 50 kills dans une partie, ça sera bien. Ok, réussissez 2 headshots. 96. Oh, Hog, j'y joue pas. A tout éclaireur, je joue pas. Ok, donc on va prendre ça. Et je vais jouer avec la K. Et du coup, je vais mettre en silencieux plutôt que double chargeur. La commando, c'était une arme qui était vraiment super bien dans ce jeu, franchement. C'est pas un atout, hein. C'est vraiment l'arme commando qui est super bien. C'était la dernière, je crois, non? Ouais, celle que t'avais. Je sais pas à quel niveau tu as débloqué, parce que ça fait vraiment longtemps. Et vu que je n'ai pas passé les prestiges depuis un bon moment sur ce jeu, ouais. Elle était super intéressante. J'avoue que j'aurais bien aimé changer d'accueil, parce que bon, les. Bon, la bite dorée, là, ou je sais pas quoi. Ils sont bien mignons, et l'autre, là, à jouer à deux, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. On va espérer quand même faire un bon petit score encore en plus sur radiation. Radiation en démolition les gars, c'était un scandale. Elle était trop bien cette map. Enfin, elle pouvait être trop bien ou horrible si tu tombais. Si ça se passait mal en fait. Parce qu'au savoir qu'en démolition, bon les gens jouaient énormément de spawn kill. À partir du moment où tu posais la première bombe, tu la faisais péter. Après c'était spawn kill, spawn kill, spawn kill. Ou alors quand t'es en défense même, tu faisais directement spawn kill. Bon en attente de connexion, je sais pas si ça va tomber sur radiation du coup. Et du coup cette map était vraiment horrible. Parce qu'au savoir tu pouvais vraiment pas sortir du spawn. C'était. Impossible. Enfin, vous essayez de déloger les gonzes, ça marchait pas. Enfin, c'était un peu chaud. Connexion à l'autre perdue. Je vais voter aléatoire plutôt que radiation. Tant que les gens sont pas assez fous pour voter crisis, moi ça va. Mais voilà, c'est vraiment plaisir de retomber sur ce jeu. Enfin, rejouer sur ce jeu, parce que retomber, on dirait que j'ai ouvert une boîte, j'ai vu ce jeu, je fais oh putain, c'est bien ça. Mais du coup, non, c'est vraiment un vrai plaisir de rejouer à ce jeu. Faut savoir que c'est, je pense que c'est un des Black Ops, enfin un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Je suis à combien de mettre 8 jours de jeu, donc non. Parce que si je vous remettrais le rapport de combat de MW2, je pense que déjà il est au-dessus. Je suis même pas sûr, mais je pense qu'il est au-dessus. Et suite Black Ops 2, c'est sûr et certain. Je crois que j'étais à 15 jours de jeu sur Black Ops 2. Même Ghost, je suis à 15 jours de jeu, je crois, donc c'est dire. Putain, les gens ont osé voter Crysis du coup. Bon, ça va être chiant cette partie, je vous préviens, je pense. Mais bon, on va essayer. Mais ouais, c'est reste un des jeux. Enfin, c'est le jeu en fait au final où j'ai eu. Enfin, MW2, je l'ai rencontré bien avant Black Ops. C'est-à-dire que Black Ops, je l'ai acheté, je pense. Enfin, j'avais déjà testé avant. Ok, d'accord. Mais ça, salon de jeu fermé. Black Ops, j'avais testé avant. Pardon. Mais du coup, ça m'avait pas vraiment plu. On va dire que quand on passe de MW2 à Black Ops, il y a un changement graphique, alors que c'est l'année d'après la sortie d'MW2. MW2 c'était code 6, Black Ops c'était code 7, et vous vous dites que les graphismes sont passés bah, du coup au code 5, c'est les mêmes que code 5 quasiment, ou à peine amélioré. Enfin, c'est vraiment. Moi je le trouvais vraiment pas beau comparé à MW2, ça je pense que la majorité des gens vont pas vous le cacher. Graphiquement, c'était pas une merveille Black Ops. Mais par contre, il y avait vraiment énormément de fun, déjà au niveau des armes, au niveau des équilibrages de tous les trucs. C'était enfin, c'était vraiment
y a des meilleurs. Déjà, les défis pour aller passer pro sur les. Sur les. Sur tous merde, tous les atouts étaient bien pensés. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul type de défi, vous avez trois défis. Et vraiment spécifiques à chaque truc. Ça, c'était vraiment bien par contre. Il y en avait que, bon, on se demandait vraiment pas trop l'intérêt du truc. Genre, je sais plus ce que c'était quoi. C'est pas Seigneur des guerres. Impact lourd, bon, les trucs un peu chiants, vous devez tirer 200 balles sur les hélicos. Bon, vous prenez une grosse sulfate, vous tirez 20 fois dessus. Vous videz vos chargeurs dessus et à partir d'un moment ça va passer. Hein. Y a personne qui va rejoindre parce qu'en plus c'est sur Mukton les gars. En plus les gonzes ils rejoignent, ils mettent aléatoire. Personne qui va rejoindre. Bon, de toute façon ça va me virer à bout d'un moment. J'espère que ce sera pas trop trop long. Mais ouais, vraiment c'était un des moments. Enfin, c'est peut-être le Black Ops. Enfin, le Call of. J'ai toujours dire Black Ops alors que. C'est faux, c'est Call of. On va rester sur Call of. C'est un des Call of auxquels j'ai pris le plus de fun à jouer dessus. Parce que on était vraiment tous à jouer dessus avec tous mes potes. Il y avait vraiment à l'époque vraiment beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir du coup dans la CSV. La toute première vidéo qu'on a fait, je crois, de la CSV, c'était introduction et du coup on s'est introduit en se présentant tous et en faisant un gameplay sur Black Ops. En faisant, je sais plus trop ce qu'on faisait comme défi à l'époque, parce qu'à la base notre chaîne était vraiment que des défis. Et du coup, bah, sur cette chaîne et la toute première vidéo, ça c'est sûr en tout cas, on est au moins 6 à jouer. Donc ici c'est toute une équipe entière à jouer. Et ça m'est rarement arrivé depuis Black Ops. MW3 c'est sûr que non, parce que de toute façon je ne l'ai même pas acheté. Pour y avoir testé, bon j'avoue que. J'ai pas craché dessus parce que MW3 c'était quand même un jeu qui était assez raisonnable. Les gens reviennent encore beaucoup dessus. Rien qu'au niveau des snipers. Donc les snipers quand même. Je crois que c'est le jeu où il y a le plus de snipers qui ont été sortis. C'était vraiment un très bon jeu pour le sniper. On va pas se le cacher, c'était vraiment parfait pour les snipers. Par contre, ils avaient quelques problèmes au niveau des équilibrages, où il y avait vraiment des armes qui étaient vraiment trop fortes. La type 95 à l'époque était vraiment abusée, elle tuait vraiment 2 balles. La MP7 et tout ça, bon après ça a été peut-être un peu patché, mais bon la MP7, l'ACR c'est encore vraiment très très puissant. Et bon bah du coup c'est un peu dommage pour MW3, même si je pense pas que de toute façon tout le monde aurait été dessus. Black Ops 2, tout le monde a été dessus pendant un moment. À sa sortie, quasiment tout le monde était dessus. On était peut-être pas tout le temps tous à faire une équipe de 6. Les week-ends non plus, parce que bon, beaucoup de. On travaillait tout ça. Enfin, on travaillait, on était à l'école, mais. Enfin, au lycée, ou au collège, je me souviens plus d'ailleurs. Mais du coup, ouais, il y avait pas mal de. Pas mal de. Pas de moments où, du coup, on était quand même pas forcément tous là. Mais bon, faut dire que j'ai quand même passé énormément de temps, au moins avec une personne, à y jouer. Qui était Madame Bean et qui m'a beaucoup accompagné sur la chaîne, à l'époque de BO2. Du coup bah c'était vraiment c'était vraiment des gameplays c'était vraiment à partir de ce moment-là que du coup on a plus pu être si on a plus pu ça se dit non ça se dit pas on n'a pas pu être 6 à partir de ce moment-là et bon c'est un peu dommage parce qu'en plus Black Ops 2 qui est pour moi le meilleur Call of Duty qui est sorti et de j'allais pas dire de très très loin mais c'est quand même bien devant quand même au moins le deuxième qui pour moi sera MW2. Juste après Black Ops c'est plus pour le fun qu'on avait à jouer dessus. Mais après quelques innovations, le zombie qui était aussi très très bien. Mais voilà, du coup c'est vrai que voilà, ça fait un peu de nostalgie de repenser à ça. Bon, je vais changer de salon parce que là c'est plus possible. Ça fait au moins 5 minutes que je suis à la recherche de ça, de partie, c'est un peu chiant là. Donc du coup voilà, c'est quand même un vrai plaisir de rejouer à Black Ops et de se rappeler tous les souvenirs qu'on avait dessus. WMD, moi j'aurais bien aimé. Ah, dommage. C'était une map qui était vraiment cool par contre. Ça j'aimais bien. En démolition c'était pareil. Moi c'était une des maps que j'adorais jouer dessus. Faut savoir que du coup, donc comparé à maintenant en fait au système de. Qui l'ont donné, enfin qui a donné au moins Advanced Warfare avec les exos. Tout ce que je viens de faire là juste avant, là, donc c'est-à-dire bien contourner. Parce que du coup, bah il suffisait juste de. Oh, Nuketown Domination, ça c'est beau ça. Ça va jouer n'importe comment, mais ça va être beau. Je joue au snipe du coup pour cette partie. Et du coup, donc faut savoir que. D'ailleurs, aussi, le passage ça a coupé, hein, comme vous avez pu voir dans le truc, ça fera. Il y aura sûrement. J'essaie de voir au moment où ça a coupé, mettre un écran noir et repasser à pile au bon moment. Mais je suis vraiment ça a coupé à partir de 23 minutes d'enregistrement à cause de mon disque dur. Donc bon, j'espère que ça va pas le refaire encore en plein milieu de partie. Et merde, je disais quoi juste avant? Ah putain, j'ai totalement oublié ce que je disais. Ah, le malaise. Ah, j'ai oublié.
Je suis con. Bon, c'est pas grave, hein. Putain, je sais plus tout de quoi je parlais. Ah si, oui. Tout ce que j'ai fait, donc les parties d'avant, c'est-à-dire bien contourner, avec ce qui a amené à Advance Warfare, c'est quasiment... Enfin, c'est très compliqué de bien contourner. Même si dans la DNA, vous avez pu voir que ça a été possible, parce que la map le permettait. Elle était très très grande et elle permettait quand même de bien bien contourner. Oula. Ah, j'ai deux barres. Ah ouais, l'autre, il doit pas être d'ici là, parce que... Je me disais bien quand je l'ai tué qu'il y avait un... Un bon retardement. Ah, ça va être chiant par contre. Bon, c'est le problème de Black Ops, hein, clairement. Surtout maintenant. Ah, putain. Bon, le L96 c'était le seul snipe jouable, hein. Pas se cacher. Merde. Bon, il y en a qui rush, bon, c'est pas grave. Faut jouer à la KU, hein, il s'amuse bien de toute façon. Il est là. Non, non, je suis un allié, reste calme. Bon, lui, j'arriverai pas à le déloger, je pense. Ah, bah c'est bon, il est mort. Ok, parfait. Ah, il y a vraiment un gros décalage. Double feed. Ah, dommage. Ah, mais il y a un décalage, mais. Je... Oh, yeah. Il y a des cages, mais pour moi je me débrouille, ouais, putain. Il m'a vu? Sérieux, je les brine comme ça, lui? J'ai réussi à choper mon Blackbird. Oh bah putain. J'ai bien enchaîné, hein, du coup. Pour un qui joue au snipe. Bon, j'avoue que j'ai fait le dernier kill quand même au. Au Tomahawk, mais bon. Ah, mais le décalage c'est chaud. La preuve avec ce magnifique marqueur. Quoi? Ah, c'est un peu chiant parce que l'autre est. L'autre est... vient pas vraiment d'ici du coup. Parce que normalement j'ai 4 barres, y'a personne chez moi. Donc j'avoue que jouer avec du décalage sur Nuketown c'est un peu chaud. Surtout au snipe. Genre là, je sais même pas comment j'ai fait le headshot. Il est là ou pas? Bien là. Attendez, on va tenter de mettre l'insertion. Je sais pas s'il m'a vu. Enfin, si y a un mec qui joue avec eux. Pirate ou quoi? Ouais, lui aussi doit. Bon, par contre, mec, viens pas commencer. Enfin, pseudo T-bug ou à tenter d'humilier parce que. Gros, ta team, je la mets mal depuis tout à l'heure alors que j'ai. Je fais du 12-7 alors que j'ai pas de connexion. Oula. Ah, ça c'était beau. Ça a pas touché? Putain. Ça rend chiant. En parle, il y en a qui sont marrants parce qu'ils jouent, ils jouent au gun donc c'est quand même sympa. AKU tir rapide. Ouais, voilà. Ouais, avec tellement de décalage. Lui il en a pas lui. Ah, il n'y en a qu'un seul en face qui a du décalage, du coup c'est un peu chaud pour tenter quoi que ce soit. Plus pour les cons qui jouent la M60 dans le jeu. Sur cette map surtout. Bon, il est là toujours. Ah non. Ah putain, ah non, il était derrière, d'accord, attends pour moi. Voilà. Quand je dis que sur cette map c'était n'importe quoi. Monter par là. Pas vu lui. Non mais par contre je veux bien, mais bon à un moment là respectez-moi avec le décalage quoi. Ok, je me respawn grenade. Ah ouais, c'est vraiment horrible. Et les gros ils doivent se sentir plus pissés, mais regardez juste la côte toute notre équipe quoi. Ah ouais, le mec qui joue, il avait une barre en face. Enfin, avec nous. Tente, hein.
Attendez. Oh merde, j'ai pas vu qu'il me tire à côté. On va tenter un Tomahawk. Tomahawk sans vision. Y a un mec qui est là-bas, non? Voilà, il me semblait bien qu'il y avait un mec qui bougeait pas là-bas. Putain, c'est ça qui est chiant, enfin. On peut pas prendre de risque. Il est où? Oh merde, oh, je peux pas t'aider mon pote. Oh putain. Dans ta tête. Pourquoi il veut pas venir? Ah putain, il est venu après. Non, par contre, t'es un gosse, toi. On est trois, ça va tenter déjà faire du spawn kill, enfin. Pas ouf, les gars. Ils m'ont pas vu. Lui, il monte. Regardez. Voilà, je vais sneaky un peu. C'est mon petit prend un cut. Allez, montez, là. Il est pas monté! Il est mort? Oh putain, je suis déçu. J'ai joué con. Hein. Je crois que je vais prendre le stakeout après. Attendez, là il y en a un. Bah, du coup, non, il n'y en a plus. Petite marqueur. Elle monte, fils de porc là. Mais putain, pourquoi il monte pas? C'est pas drôle. Non, tu meurs. Putain, il est en face. Oh l'enfoiré. Oh, attendez, je sors le scope. Le wallbang. À part là. Bon, pas besoin. Ok. Hop, deux. J'ai vu le troisième. Ah non! J'ai vu le troisième, je suis déçu. Bon, j'avoue que ça aurait été moche, hein. J'avais eu. Non. Oui. Oh non, hit marqueur. Oh non, j'ai raté. C'est trop moche comment je joue. C'est trop moche, mais malheureusement, bah, je peux pas vous proposer de... Enfin, je peux pas tenter des gros rushs et tout. J'ai pas de suffisamment de connexion pour tenter ça. Wallbang. Il a réussi. Oh putain, ça qui est chiant là, les putains de décalage. Je te recroise mon pote, je t'encule. Ce bâtard. Je sais pas si ça suffit pour. De flash tranquille. Putain, il lag autant que moi. Ouais. C'est improbable. Oh putain, ils ont Blackbird du coup. Oh là là. C'est horrible hein, le recul. Enfin, le recul, le décalage. Merde. J'ai tenté un truc. J'aurais jamais dû. Au point B! Ouais, tenter de rush. Oh, le headshot. Ah, ça c'est beau. Il y a un mec là-bas. Vas-y, ça. Y'a qui joue Casnovan de jour, putain. Mais les gars, abusez pas, putain. Tenter de rush et tout en plus, là. Je veux le beau jeu. Il est où? Où. Attendez, on va tenter là-bas. Il est où? Ok, je suis mort. Oh la galère! Oh la vache! Oh non! Il est scalpé.
M'arrêtez de me rentrer dedans là, vous voulez quoi? Ah, ça va être plutôt compliqué. Ah ouais, merde. Putain, je suis deg. Parce que vous savez quoi? Je pense qu'il y a moyen de moyenner un truc. Et que du coup, on n'a rien moyenné du tout. Voilà. Le beau jeu. On tente des trucs. J'étais en 12-7 alors que je laguais comme un porc au tout début. Ça a pas bougé d'ailleurs. Ah ouais, mais là. Oh, j'ai eu! Oh, what? Attendez. Oh merde, je voulais tenter de contourner et tout. Bon, 45 minutes, bah du coup, on va s'arrêter là. Du coup, malheureusement, il y aurait eu que 3 gameplays, je crois. Ouais, 3 parties. À cause du temps d'attente qui était un peu long comparé à MW2. Puis là, j'avoue que là, la game est un peu chiante au niveau de la connexion et j'ai bien peur de ne pas pouvoir retrouver de partie juste après. Donc, moi, j'aurais eu au moins une partie où j'aurais lâché les chiens. J'aurais tenté de faire une bonne partie au snipe et une autre partie au Galil qui était quand même pas trop dégueulasse non plus. Bon, bah, du coup, la Fall. Dommage pour toi, mais du coup, tu ne joueras pas. Bon, espérons que cette vidéo vous aura plu. Donc, du coup, si j'arrive à bien maintenir le planning, demain vous aurez la vidéo sur le zombie de. Le zombie de BO1. Vraisemblablement avec J38. Ensuite, du coup, il y aura du multijoueur de BO2. Avec aussi une map. Une des maps sur BO2 en zombie, sûrement encore une fois avec J38. Après, il y aura Ghost Multi et Ghost Extinction, normalement aussi. Extinction, on va voir comment on va s'y prendre avec Mister D38. On verra sur quel mode, quelle map on va faire, etc. Pour le moment, rien n'est pensé, en tout cas, dans le sens de le faire. Et puis, on va voir un peu comment ça va se passer. Tout simplement parce que j'avais essayé d'organiser vraiment une soirée pour qu'on fasse vraiment tout ça tous d'un coup. C'est-à-dire que Mister devait aller chez Wati pour jouer à la PS3 du coup et qu'on fasse un enregistrement à 4 pardon en zombie enchaîné avec donc le zombie de BO1, deux zombies de BO2 et enchaîné avec Ghost avec merde. Ghost chez Ghost avec J38 qui du coup lui le plus n'avait pas le jeu mais qui avait été prêté par Mister pour la soirée du coup mais du coup bah tout s'est mal passé de toute façon Jay du coup était pas là moi du coup je n'ai pas pu je n'avais pas de connexion j'avais même eu un problème au début d'enregistrement comme ça s'est passé là du coup pareil j'ai une coupure en plein milieu. Enfin, c'était même encore pire, c'était vraiment tout début. Du coup, c'était pas forcément simple à enregistrer. Ça fait 3 minutes que je parle, mais bon, vous savez très bien que j'aime bien parler aussi en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir vous lâcher encore des bonnes parties sur Ghost et sur sur BO2. Puisque là, de toute façon, pour le moment, je n'ai rien fait encore. Je vais pas forcément continuer tout de suite d'ailleurs. Sera sûrement demain ou un autre jour, parce que là, du coup, là, comme je vous dis, je crois que j'ai enregistré le 27 juillet, je crois, un truc dans le genre, peut-être même avant la vidéo sur MW2, là, on est le 11 août, c'est pour ça pour vous dire que je suis un peu en retard, malheureusement, à cause des problèmes de connexion, et en plus de là, du fait que je suis malade et que j'ai mis un peu de temps avant de me remettre un peu, là, j'avoue que c'est un peu compliqué encore, mais bon. Donc voilà, bah, du coup, demain, le zombie en compagnie de J38, normalement. J'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi, même si j'avoue que des fois je parle pas forcément beaucoup. Là ça a été le cas, je pense encore une fois, mais bon. Bah voilà, sur ce, et bah, je vous dis à la prochaine, et puis bah du coup à demain normalement, et puis bah, bonne journée en attendant demain. Allez, ciao tout le monde!